qui vous gratifiera tout à l'heure d'un discours, a déclaré hier au cours du cocktail dînatoire offert par M. l'ambassadeur de France que le sommet de la francophonie se poursuit. Il a tout à fait raison, car après la francophonie politique, la francophonie économique, nous avons droit à compter d'aujourd'hui à la francophonie juridique. Monsieur le bâtonnier Ahmed Ba, qui est le calife général de notre confrérie, d'autres auraient dit notre Saint-Nicolas, saura mieux que moi vous souhaiter à tous la bienvenue dans cette ville vivante et vibrante que décrivait le général de Gaulle. Il saura vous dire, mieux que moi, à quel point il nous agrée de vous offrir à tous cette occurrence inestimable d'une succulente parenthèse de vie dans laquelle les affaires X, Y, Z n'auront pas droit de citer. Vous aurez droit aux allocutions de M. le bâtonnier Ahmed Ba, de M. le bâtonnier Maintenon, de M. le bâtonnier Pierre-Dominique Chup, de M. le bâtonnier Bernard Vatier, de M. Michel Carrier, de M. Michel Carrier. Enfin, Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, prononcera le discours de clôture de cette séance inaugurale. Si je puis me permettre cette outrance, je donne la parole à M. le bâtonnier Ahmed Ba. Ah, il n'y a qu'un seul micro. Oui, bien sûr. Ah oui. Je vous remercie, chers confrères, de me donner la parole. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Mesdames, Messieurs les représentants des missions diplomatiques et consulaires au Sénégal, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Mesdames, Messieurs les chefs de juridiction et chefs de parquet, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les recteurs et professeurs des universités, Mesdames et Messieurs les hautes autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, Messieurs les bâtonniers, chers confrères, honorables invités, Mesdames, Messieurs, heure qu'elle représente pour la collectivité des barreaux de tradition juridique commune, augure aussi d'une bonne entame du 29e congrès de la CIB. Je voudrais porter la parole des avocats venus des quatre continents pour exprimer ici et maintenant des sentiments de gratitude ainsi que nos vifs remerciements à votre endroit. Nous sommes particulièrement sensibles à cette marque de considération et de sollicitude qu'au demeurant vous témoignez à toutes les composantes de notre nation chaque fois que votre présence est souhaitée à leur côté. Vous avez démontré cette culture de proximité en diverses occasions. Vous méritez aussi de chaleureuses félicitations pour l'excellente organisation et le franc succès du 15e sommet de l'OIF. Monsieur le Président de la République, depuis quelques jours, les restaurateurs et hôteliers de Dakar ont retrouvé le sourire. Quelques mois auparavant,
inquiétude avait grimpé, suivant une courbe ascendante et de manière exponentielle. Il a suffi en effet d'un seul cas importé d'Ebola pour que les annulations de réservations se succèdent presque en cascade. Non seulement vous avez parié et misé fortement sur la francophonie par des investissements matériels que d'aucuns ont pu estimer ambitieux, pour dire le moins, mais en outre et surtout, votre gouvernement a pu gérer le cas importé d'Ebola par des mesures qui ont pu étonner le monde. Vous méritez donc d'être doublement félicité pour la vision d'espérance que vous avez de la francophonie en digne successeur des personnalités éminentes qui ont dirigé notre nation, mais également pour les pertinentes réponses apportées aux crises majeures dont Ebola était une illustration parmi tant d'autres, ce qui demeure la marque incontestable d'un leadership indiscutable. Monsieur le garde des Sceaux, chers confrères, votre brillante élection à la présidence de l'Assemblée des États partis de la Cour pénale internationale a fait honneur à toute la nation sénégalaise. Le plébiscite dont vous avez bénéficié a surtout rejailli sur notre corporation qui s'est sentie particulièrement honorée qu'un de ses membres ait été désigné à cette prestigieuse fonction. Les avocats réunis en cette salle vous adressent mes chaleureuses félicitations. Je voudrais saluer et me réjouir de la présence remarquée de mes collègues bâtonniers venus des quatre coins du monde. Il s'agit d'un congrès de la CIB. Les règles de bienséance auxquelles le Sénégal et les Sénégalais demeurent très attachés commandent de privilégier en des occasions comme celle-ci les préoccupations d'intérêt commun au détriment de celles locales, voire particulières ou personnelles. Nous sommes toutefois convaincus que les confrères venus de l'étranger pardonneront une légère entorse à l'obligation de bienséance évoquée tantôt, d'autant plus que la question de l'aide juridictionnelle que je m'apprête à évoquer reste en définitive une préoccupation d'intérêt commun pour la plupart des barreaux. Nous sommes fiers d'annoncer ici que lors de l'audience accordée à une délégation de l'ordre conduite par son bâtonnier le mardi 25 novembre 2014, Monsieur le Président de la République a pris une série de mesures fortes pour soutenir et accompagner ce congrès. Au cours de cette audience, il a également décidé d'augmenter de 30% la dotation annuelle allouée à l'aide judiciaire en instruisant le ministre des Finances, de l'Économie et des Finances d'avoir à payer les arriérés en cours dans les meilleurs délais. Les avocats réunis en cette salle et tous les membres de l'Ordre des avocats du Sénégal vous disent simplement merci pour le soutien au Congrès et l'excellente contribution faite aux citoyens en vue d'un meilleur accès aux droits. Messieurs les bâtonniers, chers confrères, mesdames, messieurs les invités, la Conférence internationale des barreaux, créée le 29 novembre 1985 par 24 barreaux de pays de tradition juridique commune, essentiellement francophone, est une conférence permanente qui prône l'indépendance des avocats, la défense de cette indépendance, l'apport de l'avocat à la construction de l'état de droit. Le 28e congrès tenu à Abidjan en 2013 sur le thème gouvernance et redevabilité a marqué une étape décisive dans la marche de la CIB. Lors de ce congrès, un conseil d'administration et un bureau ont été constitués autour du bâtonnier Bernard Battier, secrétaire général, des bâtonniers Yves Ochinski
et Aline Badrafal, respectivement du barreau de Bruxelles et du Sénégal, tous les deux secrétaires généraux adjoints. C'est le lieu de leur rendre hommage pour le travail remarquable accompli. Fidèle à sa vocation, la CIB, véritable incubatrice d'échanges entre les barreaux, doit rester un creuset de propositions et de recherches de solutions aux innombrables défis du monde en général et de l'Afrique en particulier. Le thème choisi, du congrès, quel droit au service du développement économique de l'Afrique est révélateur de l'état d'esprit de notre organisation. En accueillant plus de 500 participants venus de tous les horizons, il est attendu de notre congrès des débats éclairés par des interventions de spécialistes, mais surtout des propositions au profit des pouvoirs publics et privés africains pour l'émergence économique du continent. Messieurs les bâtonniers et autres représentants de Barrefer, votre participation massive, malgré les nombreuses tâches des uns et des autres, surtout en cette période de l'année, traduit tout l'intérêt que chacun de vous porte à notre organisation commune. Elle confirme par ailleurs votre attachement au barreau du Sénégal, mais également au-delà, à notre pays ainsi qu'à sa belle capitale. En effet, le choix de Dakar en 2014 pour accueillir le congrès de la CIB s'est fait dans un enthousiasme qui nous oblige ou qui nous a obligés à donner le meilleur de nous-mêmes pour rendre votre séjour le plus agréable possible. La légendaire teranga sénégalaise accompagnera ainsi tous les participants au congrès qui s'ouvre aujourd'hui. Monsieur le conseiller juridique général de la Banque africaine de développement, monsieur le directeur de la Facilité africaine de soutien juridique, vous êtes depuis fort longtemps un partenaire stratégique pour la CIB et le barreau du Sénégal. Nous ne comptons plus les manifestations organisées avec votre institution, la Banque africaine de développement. Sans remonter trop loin, en 2010, vous avez permis la tenue d'un séminaire international sur l'OADA au Radisson Blue à Dakar. Déjà en mars 2014, avec l'Union internationale des avocats, UIA, vous avez accompagné notre barreau dans le cadre d'un séminaire sur le thème de l'arbitrage international par une participation remarquée et remarquable. Par ma voix, l'ensemble des avocats du Sénégal vous exprime ses sincères remerciements. Mes chers confrères, chers congressistes, nous sommes particulièrement honorés, de vous voir si nombreux sur les terres sénégalaises à l'ouverture de nos assises. À tous, je souhaite la bienvenue et vous dis d'Allen ak Jam. Je m'autorise une traduction nécessairement approximative en ayant recours à une formule empruntée à nos amis et voisins ivoiriens. Bon arrivé et que la paix soit avec vous. Le 29e congrès ordinaire de la CIB que nous ouvrons ce matin va tourner autour du thème « Quel droit au service du développement économique de l'Afrique ?» Ils sont de plus en plus nombreux à parier sur la durabilité de la croissance économique, allant jusqu'à dire que l'Afrique serait le continent de l'avenir ou du futur. Vos travaux permettront sans doute d'obtenir les réponses à ces interrogations récurrentes et cruciales. En tout état de cause, les diagnostics ne datent pas d'hier et certaines bonnes pratiques sont aujourd'hui codifiées ou à tout le moins bien établies. Les défis du continent n'ont pas beaucoup changé. Fondamentalement, il s'agit de les rendre plus attrayants en termes de gouvernance et de respect de la légalité, de créer un climat des affaires propice à attirer et capter
les investissements dont nos pays ont cruellement besoin. La mise en œuvre des conditions propres à attirer les investissements, les rendre sécurisés, utiles et profitables aux populations suppose aussi, entre autres, des réponses pertinentes fournies par le droit, de la conception à l'exécution des projets. Le droit demeure un outil, un levier incontournable pour atteindre les objectifs du développement économique et du progrès. Et nous revoilà revenus à l'intitulé du thème de notre congrès, ce qui me conforte dans la conviction que ce sujet n'aurait pu être plus digne d'intérêt. C'est pourquoi je ne doute pas un instant que les contributions et échanges seront d'une qualité telle qu'ils feront du congrès de Dakar un événement à tous les points de vue simplement inoubliable. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je vous remercie, Michel Batonnier. Michel Batonnier, Ahmed Ba et Al Poular. Alors, M. Batonnier Ahmed Ba est Al-Poular et il se croit tout permis avec le CRR que je suis, y compris de me prendre mon micro. Alors, le discours de M. Batonnier Ahmed Ba prouve, si besoin en était encore, que l'on est bien un pays francophone. Tellement francophone que lorsque les élèves n'arrivent pas à réciter trois pays francophones, ils sont exclus de la classe. Je ne puis résister à l'envie de vous narrer la mésaventure d'un homme très connu, dont le fils avait été exclu de la classe pour n'avoir pas pu citer trois pays francophones. Lorsqu'il le reconduit en classe et que le maître lui indique le motif de la sanction, il affiche son air le plus indigné et s'adresse à son fils dans les termes martiaux que voici. Abdulaziz, tu fais honte à ton homonyme, chef religieux éminent et respecté. Tu fais honte à ton père que je suis. Tu fais honte à ta famille en général. Tu es né et tu as grandi au Sénégal où il y a des dictaphones, des téléphones et des électrophones et tu oses dire que tu ne connais pas trois pays francophones. Je vais donner la parole à M. Batonnier maintenant. M. Batonnier maintenant est un ancien batonnier du barreau d'Abidjan. Il représente ici M. Mamoudou Koné, batonnier en exercice et président en exercice de la CIB. Il vient d'Abidjan, la ville et le barreau qui ont abrité le dernier congrès de la CIB. Et le défi qui est lancé au barreau du Sénégal, c'est de faire aussi bien qu'Abidjan. Excellences, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie ici représentée, Monsieur le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice du Sénégal, Monsieur le Secrétaire général de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique française, Monsieur le Président de la Fédération suisse des avocats, Monsieur le bâtonnier, chers confrères du Sénégal, Messieurs les anciens bâtonniers, chers confrères, Mesdames et Messieurs les participants pris en vos grades et qualités respectifs. D'ordinaire, ma voix n'est pas celle qui est autorisée à parler pour le barreau d'Abidjan et à l'engager. D'ordinaire, la voix qui est autorisée à le faire est celle du bâtonnier en exercice, le bâtonnier Koné Mamadou, qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté et de la nôtre également, n'a pu effectuer personnellement le déplacement ici, en terre de la Teranga, en sa double qualité de bâtonnier, je l'ai dit, et de président en exercice de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique française. Mais soucieux de ne manquer, sous aucun prétexte, l'opportunité de ce 29e congrès de la CIB, succédant à celui tenu à Abidjan du 18 au 22 décembre dernier, Monsieur le bâtonnier Koné Mamadou m'a demandé de conduire en son nom et en celui du barreau d'Abidjan
dont il est le représentant légal, une délégation de plusieurs avocats, dont 8 membres du Conseil de l'Ordre et en son sein le secrétaire général de l'Ordre, Maître Begré Adou Marcel. Commis pour ma part à n'être pour l'occasion et pour cette occasion uniquement que le porte-parole du bâtonnier, je voudrais, après les propos conviviaux de bienvenue de son homologue local, Monsieur le bâtonnier Ahmed Ba, me faire simplement l'écho du souvenir ému du passage de témoins opéré il y a un peu plus de 55 ans à présent entre les barreaux du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Et rappeler d'autre part qu'au-delà même des liens étroits, voire de consanguinité qui unissent nos deux barreaux, la réunion en terre sénégalaise, terre de culture et d'histoire, de tous ces avocats amoureux de justice et de liberté, charrie tant de souvenirs relativement à cette contrée qui a été chemin de rupture pour les Africains, voici plus de 500 ans, dans les encablures de l'inusable île de Gorée. Monsieur le bâtonnier Ahmed Baye, chers confrères, est-il besoin de le souligner? Nos liens sont forts, même matriciels. En effet, la loi du 7 novembre 1959, établissant un barreau auprès de chaque cour d'appel des territoires faisant jadis partie de l'Afrique occidentale française, la profession d'avocat en Côte d'Ivoire et au Sénégal était exercée par des avocats dits avocats défenseurs, nommés par arrêté du gouverneur général de l'Afrique occidentale française et exerçant dans chaque territoire sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel de Dakar. C'est dire que la relation gémellaire qui existe entre le barreau d'Abidjan et celui de Dakar, dans une osmose incessante qui rappelle les flux vitaux entre frères, surtout lorsqu'ils sont jumeaux, l'un ne faisant que transmettre à l'autre l'organisation de la CIB qui s'est précédemment tenue, voici près d'un an de cela, au bord de la lagune Ébrier. Et qui plus est, le thème de la présente rencontre, quel droit au service du développement économique de l'Afrique, n'est que le prolongement et le couronnement de la réflexion amorcée plus tôt à Abidjan sur la gouvernance et la redevabilité. Voici pour ce qui est du barreau d'Abidjan ce qu'il en est de la symbolique de la tenue de la CIB ici après celle tenue à Abidjan. Intervenant également en sa qualité de président en exercice de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique française, pour le bâtonnier Kone Mamadou, la tenue de la CIB en terre sénégalaise est également chargée d'émotions et de symboles. Comme relevé à l'entame de mon propos par ma voix déléguée, aujourd'hui sur cette terre, naguère terre de césure, de déchirement et de non-retour pour des Africains, même de bon marché en partance pour les plantations outre-Atlantique, se réunissent des avocats d'horizons divers, épris de liberté pour réfléchir sur le droit au service du développement économique de l'Afrique. C'est dire que l'on est passé de la force brute et du travail au service du développement économique d'une lointaine contrée, à la recherche du droit au secours du développement de l'Afrique comme moyen plus sécurisé, apaisé et durable d'y parvenir. C'est pourquoi cette rencontre ici au Sénégal est pleine de symboles que mandat m'a été donné expressément de ne pas occulter. Mais le propos en ce jour d'ouverture des travaux de la CIB n'est pas de ressasser exclusivement le passé, car les nouveaux enjeux ne sont plus uniquement la liberté civique, mais également et surtout l'effectivité des droits fondamentaux économiques, comme le rappelle si justement et de façon subliminale le thème de ce 29e congrès. Si l'accent a été en effet mis pendant longtemps sur les droits de l'homme, les droits liberté, liberté d'aller, de venir, la sûreté, la lutte contre la torture, liberté de vote, etc., une forme de droit créance qui porte sur des prestations sociales que les citoyens doivent attendre légitimement des gouvernances au fait jour. Entre autres, le droit à des services sociaux de base, le droit à la santé, le droit au logement, le droit d'être protégé contre tout abandon moral et contre toute forme de détresse financière. À ce propos, les paroles de la Déclaration des droits de Virginie de l'an 1776 semblent et sont encore d'un vif intérêt. Je cite, « Le gouvernement est, ou doit être, institué pour le commun bénéfice, la protection et la sécurité du peuple, de la nation ou de la communauté. De tous les modes et de toutes les formes de gouvernement, le meilleur est celui qui est capable de produire le plus haut degré de bonheur et de sûreté
et qui est garanti le plus efficacement contre le risque d'une mauvaise administration. » Fin de citation. Or, l'effectivité de ces droits sociaux en tant que composante du droit économique dans sa large acception, qui conditionne le bonheur des citoyens, est liée non seulement au niveau de développement économique de chaque pays africain, mais aussi à une bonne gouvernance politique, afin de parvenir à une meilleure redistribution des richesses dans la droite ligne de la pensée aristotélicienne de la justice distributive. Laquelle justice, selon le professeur Michel Villet, constitue une finalité de droit. Technique s'il en est, mais au service d'une finalité plus haute, la justice économique. Cette question de la nécessaire bonne gouvernance en relation dialectique avec la redevabilité avait été abordée au 28e congrès de la CIB, dont les conclusions relativement au contrôle des pouvoirs politiques, judiciaires et économiques ont émis le souhait que, et je cite, « la redevabilité, définie comme obligation faite à tout dirigeant de rendre compte sur des critères d'éthique et de transparence, devrait s'imposer à tous les niveaux. » Fin de citation. Aussi, l'obligation de rendre compte qui est spécifique à tout État démocratique, dont le système politique ne devrait pas seulement se limiter à la question des élections et à la loi de la majorité, mais à l'existence de véritables contre-pouvoirs qui exigent des comptes aux gouvernants, est le préalable nécessaire pour identifier ou rechercher le droit susceptible de conforter et de promouvoir le développement économique de nos États. Autrement, les réformes juridiques à entreprendre pour un développement économique ne serviraient strictement à rien si celui-ci était capté par une oligarchie méprisante des besoins du peuple, faisant ainsi à terme plus ou moins bref le lit de contestation, de soulèvement populaire et autres révolutions ou insurrections. Est-il encore besoin de le rappeler? À la suite des rapports Doing Business de la Banque mondiale, le développement économique est tributaire du développement juridique applicable dans un État donné. Et s'il reste tout de même acquis que le droit est un facteur important de développement, ne serait-ce que pour assurer à l'investisseur la sécurité de ses investissements et le mettre à l'abri de tout aléa d'ordre juridique ou judiciaire, tâche à laquelle le droit OADA s'attelle à travers les récentes réformes entreprises ces dernières années, celles-ci ne peuvent que rester lettre morte si elles ne s'accompagnent pas également d'une réforme profonde du système judiciaire dans la mesure où, selon le bon mot de Montesquieu, je cite, « le juge est la bouche qui prononce les paroles de la loi ». Fin de citation. En reconnaissant au juge un pouvoir d'interprétation de la loi, il faut veiller à ce que le dire qui émane de lui ne soit entaché d'aucun soupçon, d'aucune entrave de quelque nature que ce soit, faute de quoi tout l'édifice s'écroulerait et toute réforme juridique perdrait de son intérêt. De sorte que les investissements directs étrangers se détourneraient de la destination Afrique et de son marché potentiellement en friche de 1,1 milliard d'individus avec des richesses naturelles quasiment illimitées et diversifiées à faire pâlir d'envie et de convoitise les autres continents. En définitive, aucun doute n'est permis sur l'importance du thème de ce 29e congrès en raison de ses enjeux juridiques, politiques et surtout économiques qui ne manqueront pas d'être soulignés par l'histoire dans les annales de la CIB en gage de sa vitalité et de son utilité, qui œuvre sans cesse en faveur de la promotion de l'état de droit, mais qui, pour la circonstance présente, se mue en état de droit économique. C'est donc assuré du succès prévisible de ce 29e sommet, c'est là tout le mal à souhaiter au barreau frère du Sénégal, que le bâtonnier Koné Mamadou me charge de présenter au barreau frère de Dakar et à tous les différents avocats participants pris en leur barreau respectif ses voeux de plein succès sous le regard bienveillant du très haut miséricordieux qui a permis ce rassemblement, comme il est acquis et certain que toute grâce et ce rassemblement en est une vient de lui. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le bâtonnier, maintenant, je dirais pour parler comme chez vous, Dieu est grand,
mais votre discours n'est pas petit. Je vais donner la parole à M. Pierre-Dominique Schupp, Maître Pierre-Dominique Schupp, président de la Fédération Suisse du Chocolat. Excusez-moi, des avocats. C'est vrai qu'il fait un peu plus chaud ici qu'en Suisse. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les hauts magistrats, Excellences, Messieurs les bâtonniers, Monsieur le représentant du Président de la CIB, Monsieur le Secrétaire général de la CIB, chers confrères, honorables invités. Avant tout, je voudrais exprimer ici mes remerciements les plus sincères pour avoir donné aux avocats suisses cette tribune. Au nom des 9500 avocats de mon pays, je vous dis ici ma profonde gratitude, mais aussi ma grande fierté. Gratitude parce qu'il ne va pas de soi de donner, ne serait-ce que 2 minutes de votre précieux temps, aux représentants d'un pays où les esprits chagrins sont pourtant si nombreux, même si apparemment tout va bien, et où nous nous complaisons à nous quereller sur ce qui peut apparaître comme des préoccupations de nantis, alors qu'ailleurs, sur ce continent par exemple, tout, ou en tout cas beaucoup, reste encore à faire. Fierté parce que la présence ici à la CIB d'avocats de mon pays, de chez moi, contribue à apporter une pierre, aussi petite soit-elle, à la construction, mais surtout au renforcement de l'état de droit, dont l'importance vient vous être rappelée, dans chacun des pays membres de la CIB, voire dans le monde entier. La CIB, la Suisse, pardon, petit pays au corps de l'Europe, farouchement indépendant, mais en réalité si dépendant des autres, confie à ses citoyens le droit et le soin de se prononcer régulièrement sur des objets législatifs et constitutionnels extrêmement divers, au risque parfois de se mettre lui-même en danger. Pensez ici, par exemple, à l'inscription, il y a 2-3 ans, dans notre Constitution fédérale, l'interdiction de construire des minarets. Un non-sens absolu. La Suisse est-elle dès lors l'archétype de la démocratie et de l'état de droit? C'est en tout cas ce que nous, Suisses, voulons souvent croire et penser, et dont nous nous vantons si souvent. Il est vrai que la Suisse a de qui tenir. Dépositaire des conventions de Genève, siège du Comité international de la Croix-Rouge à Genève, et j'en passe. Nous savons tout en Suisse, n'avons rien à apprendre en matière de liberté fondamentale de qui que ce soit. Et pourtant, vous savez tous que les droits fondamentaux en Europe sont regroupés dans une convention fondamentale, la Convention européenne des droits de l'homme. La Suisse y a adhéré en 1972. Un avocat lausannois, le premier d'ailleurs à avoir fait condamner la Suisse à Strasbourg, avait soutenu que le droit de manifester était un élément fondamental des droits de l'homme. Il expliquait par la suite aux stagiaires de mon canton que toute défense pénale, chaque action doit être conduite en gardant à l'esprit la CEDH en vue d'un éventuel recours à Strasbourg. Mais voilà qu'il y a une dizaine de jours, l'un de nos 7 ministres, le ministre de la Défense et des Sports, a suggéré au gouvernement, à ses collègues, que la Suisse se retire de la CEDH. Au-delà d'une manœuvre et d'une fuite, en réalité du moins instrumentalisée à des fins purement politiques, cette suggestion, je vous rassure, elle en restera probablement au stade d'une suggestion, interpelle néanmoins. La Suisse a-t-elle atteint un tel état de béatitude qu'elle pourrait se passer d'un texte aussi fondamental que la CEDH? Alors que d'autres, comme vous, se battent pour que les libertés si fondamentales soient au moins inscrites dans leur constitution, et lorsqu'elles le sont, qu'elles soient au moins respectées. Non, en réalité, le mal est beaucoup plus profond. Il est reproché, même parfois par des juges chez nous, que la CEDH et la Cour de Strasbourg, qui l'appliquent, auraient en quelque sorte dévoyé ce texte. Ce texte conçu à l'origine pour rappeler, fonder, créer dans les États membres des droits fondamentaux, la Cour, par les saisines dont elle fait l'objet, en aurait fait en réalité un outil politique permettant de régler à l'aune de la CEDH toute activité humaine. Mesdames et messieurs, ce qu'il faut en retirer est la chose suivante.
rien. Et surtout pas lorsqu'il s'agit de quelque chose de fondamental, n'est définitivement acquis, n'est définitivement gagné. Nous autres avocats nous battons tous les jours pour que justice soit rendue. On entend parfois ce cri de cœur de beaucoup, ceux qui voulaient la justice n'eurent en réalité et en définitive que l'état de droit. Mais de notre point de vue, peu importe en effet laquelle des deux parties triomphera dans un procès, ce qui importe est que chacun puisse, sans crainte et librement, exprimer son point de vue et qu'un jugement soit rendu en toute et absolue totale indépendance. Cela n'est toutefois possible que dans l'état de droit auquel nous aspirons tous et pour l'existence duquel, tous les jours, des gens, et parmi eux de nombreux avocats, se battent et parfois meurent. Un texte aussi fondamental que la Convention européenne des droits de l'homme est une garantie pour tous. J'ai honte de dire que dans mon pays, on se demande si ce texte est vraiment utile, parce que finalement, pour certains, il serait de nature à limiter les formes les plus extrêmes du libéralisme. Ça ne peut pas être cela. J'aimerais ainsi saisir cette occasion pour vous dire aussi mon inquiétude en relation, souvent, avec l'évolution de nos professions, ici, mais surtout ailleurs. Libéralisme, marché, commerce, affaires, timesheet, actionnaires, structures alternatives sont de plus en plus les maîtres mots que nous entendons. L'étude virtuelle, les cabinets travaillant 24 heures sur 24 d'un endroit et d'un autre sont souvent portés au nu et considérés comme la panacée. Est-ce vraiment ce que nous voulons? Est-ce vraiment ce que les avocats qui pratiquent ce magnifique métier au jour le jour souhaitent vraiment? Lors d'un récent congrès de l'Union internationale des avocats à Florence, à l'occasion du Sénat des barreaux, des grandes discussions ont eu lieu sur un sujet général, on parlait de protection des données. Et, à la fin de cette séance, s'est levé M. le bâtonnier Chella du barreau de Tizi Ouzou en Algérie. Bâtonnier Chella a alors rappelé, avec tellement de justesse et de finesse, qu'entre les premières réunions auxquelles il assistait à l'UIA au début des années 90 et aujourd'hui, rien n'avait changé. Dans le Nord, on continue à évoquer les fantasmes du mercantilisme, alors que dans le Sud, on continue à vouloir se battre, pied à pied, avec sa robe dans les prétoires, pour faire triompher le droit. Et le bâtonnier Chella de conclure qu'il n'y a pas de honte à vouloir se battre pour vraiment défendre pied à pied ses clients. Ces propos sont tellement vrais, tellement justes qu'ils ont suscité l'admiration de tous les avocats présents. Et je me suis alors posé la question en pensant à la réaction de mes confrères à Lausanne, où je travaille, lorsqu'on leur expose des évolutions de la profession dans le monde, leur réaction qui nous disent « Mais tout cela, c'est bien joli. Moi, tout ce que je veux, c'est simplement faire mon travail de tous les jours. C'est faire accomplir mon métier, celui de l'avocat. » De telles réactions, même dans le Nord, sont finalement rassurantes. Heureusement, tout le monde n'est pas encore prêt à céder à tout mercantilisme. Je suis ainsi particulièrement heureux de constater comment jour après jour, beaucoup, là-bas mais surtout ici, s'engagent pour porter les valeurs fondamentales de l'état de droit, mais aussi celles de notre profession. C'est donc une grande fierté pour moi et pour les avocats suisses de pouvoir partager ces moments avec vous ici à Dakar, avec vous qui n'hésitez pas à monter sur les barricades pour défendre les justiciables contre l'arbitraire. Je vous remercie. Chers confrères SUP, la Suisse est petite par la taille. Votre discours fut grand par sa substance. Je vais donner la parole à un ami du Sénégal, un ancien bâtonnier de Paris, président du Conseil des barreaux de l'Union européenne plutôt, et puis secrétaire général de la Conférence internationale des barreaux, CIB, le bâtonnier Bernard Vatier. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur l'Ambassadeur, Messieurs les chefs de juridiction, Messieurs les représentants du parquet, Mesdames, Messieurs les hautes personnalités, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, plus particulièrement, Monsieur le bâtonnier Ahmed Ba, mes chers confrères, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends aujourd'hui la parole
en ma qualité de secrétaire général de la CIB, aux côtés de ceux qui sont ici présents, Alioune Fall, le bâtonnier Alioune Fall et Yves Ojaski, tous deux secrétaires généraux adjoints, et avec qui nous avons travaillé tout au long de l'année et que je voudrais remercier publiquement. Je pense au bâtonnier Stasi. Il a créé la CIB en 1985. Il est décédé il y a 2 ans. Il avait imaginé de pouvoir rassembler l'ensemble des barreaux francophones, pas seulement francophones en ce qu'ils parlent le français, mais francophones en ce qu'ils partagent les valeurs de la francophonie, en prenant en considération cette unité culturelle qui constitue le ferment de la force et de l'indépendance de nos barreaux. C'est ainsi que les barreaux se sont regroupés dans le cadre de cette conférence qui rassemble les traditions juridiques communes, c'est-à-dire qui vit de l'apport de chacun d'entre nous sans aucune domination de quelque nature que ce soit. Et aujourd'hui, cette conférence rassemble les barreaux de plus de 44 pays. Notre conférence a naturellement trouvé sa place sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie. Et je voulais remercier tout particulièrement l'Organisation internationale de la francophonie, représentée par M. Michel Coirier, pour le soutien qu'elle a toujours apporté à la CIB. Et à partir du moment où la CIB était placée sous l'égide de la francophonie, il était tout à fait légitime que la CIB prenne sa place dans la poursuite du sommet de la francophonie qui s'est tenu à Dakar. Ce 29e congrès suivait le congrès qui s'était tenu à Abidjan, et c'était un remarquable congrès qui portait sur un thème que vous avez rappelé, M. le bâtonnier, la gouvernance et la redevabilité, c'est-à-dire la responsabilité de ceux qui nous gouvernent, et notre responsabilité à nous, bâtonniers, puisque nous gouvernons aussi un ordre avec les responsabilités qui sont les siennes. Et je voudrais dire que ce congrès d'Abidjan a été un congrès tout à fait remarquable, et que c'était un défi pour la CIB et pour le barreau du Sénégal d'organiser un congrès, le 29e congrès, et vous l'avez fait de façon magistrale. Je voudrais ici vous en remercier, et remercier aussi ceux qui ont eu l'idée de ce congrès d'Abidjan, en particulier le bâtonnier Billy Akia, qui avait contribué à l'idée de tenir le congrès d'Abidjan et qui avait contribué à sa réalisation. Je voudrais également remercier M. le Président de la République de votre accueil, en proposant que notre congrès se tienne dans le centre de conférence Abdou Diouf. Vous avez placé la CIB et vous avez placé les avocats à la place qui est la leur, c'est-à-dire à une place majeure dans une société démocratique et dans une société de paix. Je voudrais vous dire tous mes remerciements pour cette initiative. Vous l'avez honoré, Monsieur le Président. Et si Dakar, aujourd'hui, est le centre géographique de la francophonie, il est également le centre historique de la francophonie. Et je voudrais ici rendre hommage au président Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, eh bien, il a créé ce berceau de la francophonie. Je repense à ce discours de novembre de 1962, intitulé « Le français dans le monde ». Léopold Senghor évoquait le français comme une langue de culture, en considérant que le français seul
était la seule langue qui respecte dans ses constructions l'ordre naturel des choses, l'ordre naturel de la raison. Et le président Senghor affirmait que le français se caractérise par trois composantes. La première, la plus belle, une langue dont l'éclat de la beauté et dont la mélodie n'a ni l'abondance des consonnes des langues germaniques, ni l'abondance des voyelles et les éclats des langues romanes du Sud. Il y a en outre dans le français le muet, le jeu d'ouverture et de fermeture des voyelles, sans parler des nasales, qui embaument suavement comme un parfum. Monsieur Senghor disait aussi que le français c'était une langue de rationalité et de clarté, une langue qui emporte avec elle la puissance de l'abstraction. Et il conclut en disant, mais en outre, c'est une langue riche, plus de 120 000 mots. Ce qui fait que, effectivement, cette richesse peut rebuter un certain nombre de pratiquants qui préfèrent des langues peut-être moins riches, mais plus faciles d'accès. Lorsqu'il évoque la francophonie, le président Senghor utilise le mot francité. Pour lui, la francité se réduit à l'esprit de méthode, à la raison discursive, à l'organisation de la pensée, à l'équilibre. Et au-delà de cet aspect cartésien au cœur de la langue, il faut ajouter le souci de l'homme qui est une préoccupation éthique. Et il concluait, c'est en cela que la francité est un humanisme. Et c'est ce métissage culturel qui l'a conduit à la francophonie. L'idée est la même, disait-il. Au-delà d'un possible métissage biologique qui a été réel à Gorée et à Saint-Louis du Sénégal, mais là, ce n'est pas important. Il est question essentiellement d'un métissage culturel. C'est ce sentiment communautaire qui prévaut dans toutes les rencontres francophones. Et c'est ce sentiment communautaire, si bien décrit par Léopold Senghor, qui nourrit les racines de notre conférence. Monsieur le Président, le Sénégal est aujourd'hui la capitale de la francophonie. Il était donc légitime que notre congrès tienne à Dakar. Et je voudrais dire que le thème que nous avons retenu, qui a été retenu par le barreau du Sénégal, se trouve dans le prolongement du thème qui avait été retenu à Abidjan. Après la gouvernance et la redevabilité, il était normal que nous puissions prolonger la réflexion sur la francophonie, sur le thème « Quel droit au service du développement économique de l'Afrique ?» L'Afrique est en ordre de marche et la langue française est conquérante. En 2050, le monde comptera 750 millions de francophones et la forme du français est à la hauteur des nouveaux enjeux économiques. Le continent africain regroupera 80% des francophones en 2050. Et le continent africain s'installe aujourd'hui dans une croissance soutenue entre 5 et 10% chaque année selon les pays. Il ne doit plus guère cette croissance à l'évolution des cours des matières premières. Il doit sa croissance à l'extension d'une classe moyenne qui accède à une consommation de masse. Il doit sa croissance à l'éducation, à l'accès aux technologies. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui nourrit l'Afrique. Le continent a brûlé les étapes du développement. Il faut se rappeler qu'à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire il y a moins de 20 ans, eh bien, il y avait moins de lignes téléphoniques en Afrique qu'il pouvait y en avoir dans une capitale occidentale. Aujourd'hui, il s'est vendu 500 millions de mobiles en Afrique au cours de l'année passée. L'Afrique entre donc dans une économie de production. Elle développe des secteurs de haute technologie comme les télécommunications et les services financiers. Et la langue française,
que nous avons en partage ouvre les fenêtres pour que les peuples épris de liberté aspirent à l'égalité. Et au-delà de l'Afrique, ce sont les barreaux qui viennent d'autres continents et qui se joignent à nous. Je voudrais ici saluer le barreau de la Bulgarie qui est présent et représenté, et le barreau d'Arménie qui a souhaité être membre de la CIB. Pour eux, l'attachement à la francophonie est un élément essentiel dans le partage de l'état de droit et de la croissance. La langue française est là pour lutter contre les discriminations, les intégrismes et les fanatismes. Ce sont nos traditions juridiques communes qui imposent les exigences démocratiques de l'état de droit. L'indépendance, la liberté de la presse, le pluralisme culturel, ce sont ces facteurs qui favorisent le développement économique qui doit être partagé dans une perspective durable. Et nous devons assumer l'importance de ces enjeux économiques qui sont aujourd'hui planétaires. Ce sont, Monsieur le Président, ces prolégomènes qui ont conduit à retenir le thème de notre congrès, le droit au service du développement de l'Afrique. Nous, avocats, nous sommes les sentinelles de la démocratie. Nous sommes aussi les gardiens de la sécurité juridique, qui est un pilier indispensable au développement de la croissance économique. Selon nos traditions juridiques communes, l'avocat est donc non seulement le défenseur des libertés attaché à la défense de la défense, l'avocat est un acteur dans la création et dans le partage des richesses, un acteur dans le développement durable. La force de l'Afrique, c'est de pouvoir disposer d'un instrument juridique incomparable, OADA, et les actes uniformes qui en sont la suite. C'est précisément par le partage des traditions juridiques communes qu'il a été possible pour les États membres du traité OADA d'adopter des règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies. Procédant d'une source internationale, ce droit, une fois adopté, ne peut pas être modifié. Il est figé et il s'impose à tous les membres, les États membres qui ne peuvent le modifier à leur guise. Et il converge vers une universalité grâce à la jurisprudence de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Les avocats mettent en œuvre ces normes au quotidien. Et il était naturel que le Congrès de la CIB inscrivent à l'ordre du jour une réflexion sur les actes uniformes, ce qui sera l'objet de notre réflexion cet après-midi. Il faut que les avocats confrontent leur expérience dans la mise en œuvre de ce droit OADA. Mais nos travaux porteront aussi sur le rôle des avocats dans la démocratie et dans le respect des libertés fondamentales. Rien n'est jamais acquis, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Rien n'est jamais acquis, la vigilance permanente des barreaux s'impose, à défaut de quoi les libertés fondamentales se trouvent blessées, voire anéanties. Ce combat pour le respect des droits et libertés fondamentales ne cessera pas. Et point n'est besoin de dire que nous sommes dans un état de droit pour abaisser la garde. Nous devons rester vigilants. Qu'on nous juge aujourd'hui par les atteintes au secret professionnel, par les écoutes téléphoniques, par l'absence de protection réelle des données personnelles. Je voudrais, au moment où je parle du rôle de l'avocat dans une société démocratique, rendre hommage au barreau de Tunisie. Le barreau de Tunisie a contribué à l'adoption d'une constitution après la révolution de Jasmin. Et les avocats ont été très présents pour veiller à ce qu'un processus démocratique conduise à l'établissement d'une constitution respectueuse des droits fondamentaux. Lors de la rentrée du barreau de Tunisie, à la veille de l'approbation de la constitution, la CIB était invitée. Elles ont pu constater l'importance du rôle joué par le barreau de Tunisie dans la mise en place de cette constitution. Que dit la constitution ? Plein de choses modernes, mais en particulier, elle dit, à l'article 105,
Le métier d'avocat est un métier libre et indépendant qui participe à la réalisation de la justice et à la défense des droits et des libertés. L'avocat bénéficie des garanties légales qui lui assurent protection et lui permettent l'exercice de ses fonctions. Si je cite cet article 105 de la Constitution de Tunisie, c'est parce que dans de nombreuses constitutions, et même dans la plupart des constitutions, l'avocat est oublié. Et la Tunisie a inscrit en lettres d'or le rôle de l'avocat en considérant que l'avocat était un élément indispensable à la démocratie. Il est rappelé que la signification du mot, on prétend que la signification du mot avocat en sanskrit est triple. L'avocat est d'abord un consolateur. Il est le lien entre l'individu et la société. L'avocat est aussi un défenseur. C'est une conséquence logique de ce premier rôle. Et il est venu que l'avocat est aussi un confesseur, car pour mener à bien sa mission, l'avocat doit pouvoir recevoir la confidence dans le secret le plus absolu. Et l'avocat est donc un contre-pouvoir. Il faut que ces règles ne soient pas définies par le pouvoir dont il est le contre-pouvoir. Il faut que les règles de la profession d'avocat soient affirmées dans le cadre de l'autorégulation de nos barreaux. Il faut donc des barreaux responsables, en mesure de prendre en compte l'intérêt général et de veiller sans complaisance au respect de nos règles professionnelles qui sont la garantie des droits des justiciables. Il faut que les avocats eux-mêmes disposent des garanties qui leur sont nécessaires. Et sur ce point, la CIB affirme la solidarité de ses membres. Et c'est ainsi que la CIB est intervenue auprès du ministre de la Justice de Burundi pour rappeler que les exigences de ces garanties s'imposent et pour contester les décisions prises à l'égard du bâtonnier Isidore Rufikiri qui ont porté successivement sur une interdiction de sortir du territoire pour l'empêcher de participer au congrès d'Abidjan, puis à une décision de radiation au motif qu'il exerçait justement son droit de critique dans le cadre de la vie démocratique. La CIB est intervenue auprès des autorités burundaises et continuera d'intervenir au justice. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Bâtonnier, de votre accueil si généreux et si chaleureux. Monsieur le bâtonnier, je vous remercie. Monsieur le bâtonnier Vaquier me fait penser à Amadou Ambateba qui disait « La parole a horreur de trois choses. Être dite avant le moment propice, n'être pas dite à temps ou être dite après coup. Il y a donc un temps, un lieu et une manière de parler. » Au cours de notre bref entretien d'hier soir, vous m'avez parlé d'un homme que vous avez décrit comme l'artisan incomparable des liens entre la CIB et l'Organisation internationale de la francophonie. Il a répondu lui-même, parce qu'il était présent, en disant « Je suis plus modestement chargé de la coopération juridique et judiciaire » dans le cadre du renforcement de l'état de droit. Je vais donner la parole à M. Michel Carrier. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des hautes institutions sénégalaises, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées au Sénégal, Monsieur le Président de la CIB,
Monsieur le secrétaire général de la Conférence internationale des barreaux de traditions juridiques communes, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Maîtres, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter les salutations chaleureuses de Monsieur le Président Abdou Diouf, secrétaire général de la Francophonie, qui suit avec attention toutes les initiatives visant à renforcer l'état de droit dans ses États membres et dynamiser les échanges et la réflexion juridique dans l'espace francophone, et attache, comme vous le savez, un intérêt tout particulier à ce 29e congrès de la Conférence internationale des barreaux de traditions juridiques communes, votre CIB, organisé à Dakar par l'Ordre des avocats du Sénégal, dont il connaît très bien le rôle majeur joué dans ce domaine. Il tient à vous redire ici l'implication forte de la francophonie auprès de ses États, de leurs gouvernements, de leurs institutions et des citoyens, pour œuvrer au renforcement de l'accès à la justice, d'une justice fiable et indépendante, garante de l'état de droit, des droits et des libertés. À quelques semaines de la fin de son mandat à la tête de la francophonie, et après que le 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement francophones de Dakar ait célébré son action et élu son successeur, Madame Michaëlle Jean, il est ici auprès de vous à plus d'un titre, puisque nous réunissons aujourd'hui au Centre international de conférence Abdou Diouf, comme vous avez bien voulu lui en faire l'hommage, Monsieur le Président de la République. Vous connaissez toute son appréciation de l'action des avocats et de leurs barreaux en faveur de leur indépendance, pour le respect des droits de la défense, pour le respect des droits de l'homme, ainsi que pour le soutien que vous avez apporté à la francophonie dans les différents processus de démocratisation qui ont eu à se développer dans l'espace francophone. Je sais aussi pouvoir vous assurer d'une attention et d'une disponibilité comparable par sa successeur, Madame Michaëlle Jean. Le secrétaire général se joint aux autorités du pays hôte, le Sénégal, et au barreau du Sénégal, barreau organisateur, pour souhaiter la plus cordiale bienvenue aux participants à ce congrès, en formant le vœu que leurs travaux contribuent de façon significative à l'objectif général de cette rencontre, à savoir permettre aux barreaux et avocats ici présents d'échanger dans une approche comparative avec la franchise et la confraternité qui caractérisent vos travaux, et avec le concours de représentants d'autres professions et institutions concernées sur la sécurité juridique et judiciaire des biens et des échanges à travers l'examen de cette expérience novatrice, ambitieuse et unique au monde d'intégration économique qu'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OADA, à la création et au développement duquel l'OIF a été et reste étroitement associé. En effet, le thème choisi pour ce congrès, réforme de l'OADA et développement, analyse des réformes récentes et des perspectives de réforme en droit de l'OADA, atteste, si besoin était, de votre appréciation du rôle de la justice et du droit au service du développement durable, facteur important dans le chemin qui conduit au fonctionnement démocratique apaisé des sociétés modernes. La qualité et l'expertise des intervenants que vous avez conviés, hauts responsables institutionnels, magistrats, avocats, praticiens, universitaires, sont garantes de la hauteur de vos travaux et de la richesse de vos conclusions. La francophonie tient aussi à rappeler l'apport significatif de la CIB, son action, sa réflexion et la fructueuse collaboration nouée depuis plus de 20 ans en sa qualité de réseau institutionnel et professionnel francophone, peut-être le plus ancien. Vous êtes un espace d'information, d'échange, de réflexion, d'accompagnement, d'expertise et de solidarité particulièrement actif qui vous confère une place spécifique dans la famille des réseaux professionnels et institutionnels de la francophonie, ces réseaux constituant un des plus remarquables moyens d'expression et de diffusion des valeurs qui fondent autour d'une langue en partage notre communauté d'État. Je voudrais souligner ici le rôle fondamental de ce dispositif si spécifiquement francophone que sont les réseaux institutionnels, vigie, levier et vivier de la démocratie, comme l'énonçait le thème de nos récentes journées des réseaux, réunies à Paris en mai dernier et auxquelles la CIB a apporté sa contribution. Vigie, parce que les différentes institutions nationales qui constituent le maillage des réseaux institutionnels francophones bénéficient d'une place de choix pour observer le contexte démocratique et l'état de droit au sein de leurs États. Levier, parce que les réseaux représentent également les forces vives, capables de mettre en œuvre des recommandations et d'agir de façon concertée avec l'OIF dans une sphère institutionnelle à l'intersection entre les sphères citoyennes et politiques. Vivier, enfin, parce que 16 réseaux institutionnels, ce sont au total près de 550 institutions nationales membres, regroupant chacune d'importantes expertises, compétences et qualités au service de la promotion de la paix, de l'état de droit et des droits de l'homme. Votre action est particulièrement exemplaire dans la mise en œuvre de ces trois mandats. Aujourd'hui,
Dans le grand mouvement qui secoue le monde, en particulier l'espace francophone, où la liberté, les droits sont réaffirmés, revendiqués et en même temps, parfois si violemment remis en cause, comment ne pas rappeler que la lutte contre l'impunité s'impose comme un des instruments essentiels à la restauration et au renforcement de cet état de droit, pilier de la démocratie. La francophonie est convaincue que la promotion de la lutte contre l'impunité et le développement de la justice pénale internationale dans le respect de la souveraineté des États, dans la pleine application des principes de complémentarité et de coopération, ne peut se concevoir sans une bonne connaissance et une compréhension pratique, objective et constructive des activités de la Cour pénale internationale. Initiative dans laquelle votre profession a toute sa légitimité pour agir et concourir inlassablement à la défense de la défense, au même titre qu'à celle des victimes. À cet égard, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous redire combien le secrétaire général de la francophonie se réjouit que son pays, le Sénégal, donne une nouvelle et éclatante preuve de son engagement en faveur de la lutte contre l'impunité en permettant à son ministre de la Justice de prendre la lourde et exaltante responsabilité de la présidence de l'Assemblée des États parties au statut de Rome. Nous sommes convaincus que Maître Sidiki Kaba, éminent juriste et grand défenseur des droits, pourra démontrer à cette haute fonction toute la pertinence et l'utilité de la promotion de la diversité et du dialogue des cultures juridiques, si caractéristiques des valeurs prônées dans l'espace francophone. Qu'il soit assuré du soutien indéfectible de l'Organisation internationale de la francophonie. Enfin, et pour conclure, je souhaiterais vous rappeler ce que le président Diouf vous disait à Bruxelles en 2009 à l'occasion de votre 24e congrès. La francophonie politique sait tout ce qu'elle vous doit. La francophonie politique a plus que jamais besoin de vous. Je forme donc le vœu que nous puissions approfondir notre partenariat au service de la liberté, de la justice, de l'humanité. Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite une pleine réussite à vos travaux. Monsieur Michel Carrier, je crois pouvoir affirmer que vous savez parfaitement de quoi vous parlez. Je me suis laissé dire par le bâtonnier Vatier, qui n'a pas été avare de confidence pour moi, que vous étiez déjà là en 1989 au troisième sommet. Je vais dire à présent, je pense que le dernier orateur va prendre la parole. J'ai presque envie de dire, camarades, l'heure est grave. Lorsqu'il m'a chargé d'assurer la fonction de modérateur de cette session inaugurale, mon excellent confrère Mbaye Gueye, secrétaire général de l'Ordre des avocats du Sénégal, m'a très clairement mis en garde contre le moindre dérapage, la moindre entorse au protocole. Je me suis efforcé de ne pas le décevoir. Il me dira tout à l'heure si j'y suis parvenu. L'heure est grave parce que voici venu le moment pour moi de donner la parole à son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, avec une certaine émotion, en raison de très forts souvenirs et d'un vécu commun qui m'attache à lui. Je dirais par parenthèse que la bande à Sandrine est reconstituée dans cette salle. J'allais raconter cette histoire, la bande à Sandrine, mais je sais qu'il a le meilleur propos pour donner à l'assistance quelques indications. Pas toutes. Avec Souleymane Benengay, Maître, vous voudrez bien nous rejoindre pour un instant, Maître Boubacar Koïta. C'était la bande de quatre. On a fait le récit. Nous avons été cons quand même. Ah oui. Voilà, c'est fini. Il a dérapé, hein. Pour pas ne parle pas. Souleymane. Ouais.
Alors, merci beaucoup. Bon. Allez, la bande de quatre. Vas-y, raconte l'histoire. Alors, c'est une belle histoire. En 1986 ou 87, nous étions encore à l'université, nous habitions dans le même couloir du pavillon H. Pavillon H, Macky Sall avait, le président de la République avait la chambre numéro 46. Souleymane Dene Ndiaye et moi, nous vivions dans la chambre 43. Et Maître Boubacar Koïta, ici présent, vivait dans la chambre 35. Alors bon, nous étions et nous sommes restés de très grands amis, parce que j'ai fait une partie de mon parcours scolaire et universitaire avec Macky, d'abord à Kaolack. Souleymane Dene Ndiaye, c'est mon ami, c'est d'abord mon cousin. Il dit souvent d'ailleurs mon oncle. Alors, et c'est mon ami, très proche. Et sa fille aînée porte le prénom de mon épouse. Boubacar Koïta ici présent. Et on va dire le grand frère utérin que je n'ai pas eu. Et l'unique fils que Dieu m'a donné porte son prénom. En même temps d'ailleurs que celui de Maître Guédel Ndiaye qui est présent dans la salle et qui est mon associé. Alors, en 1987, alors que nous habitions à l'université, un de mes cousins qui vivait en France, il avait une amie qui, dans un grand moment de déprime, avait envie de changer d'air. Une jeune fille, je l'avoue très humblement, très charmante. Donc, elle avait envie de changer d'air et elle a décidé de venir au Sénégal, où elle avait d'ailleurs des attaches parce que son père est capverdien et la mère de son papa vivait à Dakar. Et donc, mon cousin lui a dit, écoute, moi j'ai un cousin qui est très attachant, il parlait de moi. Et donc, qui vit à l'université avec une bande d'amis, ben écoute, t'as qu'à aller le voir et je pense qu'il peut vous, il pourra t'aider à passer tes moments de déprime. Donc un jour, alors que nous étions là à partager tout à l'université, nous recevons une charmante capverdienne qui s'appelait Sandrine. Sandrine Ferreira. Alors, nous étions tous très jeunes. Et puis, bon, on était célibataires. Et puis, comme vous savez, on dit en Wolof, Golo ci souf garab buyegul ba wacc xelmang ci yek. Bon, disons traduction libre. Quand le singe se trouve en bas de l'arbre, ou bien il en descend, ou bien il a envie de monter. Alors, nous avons ensemble bâti un pacte qui a consisté à dire, ben écoutez, bon, on ne peut pas se la partager. Personne parmi nous ne peut renoncer à la prendre. Alors, nous nous sommes neutralisés tous les quatre. Alors, donc, je disais que je donne la parole à Monsieur le Président de la République, à qui me lie ce vécu commun. Ce n'est pas le seul, d'ailleurs. Et puis ensuite, bon... à qui, comme, pour parler comme le général de Gaulle, je disais, en raison des espérances que j'ai placées en lui. Alors, je vais lui donner la parole, et puis après, donc, qu'il aura prononcé son discours, un cadeau lui sera remis par M. le bâtonnier Ahmed Ba, au nom du barreau du Sénégal. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Maître Papalet Ndiaye. Naturellement, vous avez fait plus que déraper. Vous avez transgressé. Mais c'est un grand moment que je voudrais également saluer, car nous avons partagé nos meilleurs moments de la vie. Ce sont des moments de la vie estudiantine, des moments d'insouciance,
et de grande amitié. Je voudrais donc saluer les amis qui sont venus nous rejoindre au podium, mais également d'autres amis, avocats comme Maître Elias Diouf, qui a été également un de nos contemporains avec qui nous avons partagé de bons moments. Je rajouterai simplement que Maître Papaletti fait partie de ceux qui m'ont fait aimer, avant la lettre, le métier d'avocat. Car dans ce qu'il venait de dire, il était fréquent dans cette chambre universitaire que nous organisions des procès, alors que moi j'étais géologue. On ne fait rien au droit. Mais chaque fois que quelqu'un transgressait les règles, nous constituions une petite cour. Alors c'est là où des mots comme partie civile, défense, la cour, le parquet me sont devenus familiers. Parce qu'à chaque fois, il fallait constituer une petite cour et puis convoquer l'accusé qui regardait là où il ne fallait pas ou qui avait commis un acte délictuel. Alors nous sommes habitués progressivement à cet environnement judiciaire. Et donc, c'est tout naturellement que tous les trois sont devenus avocats pendant que moi, j'étais à la recherche des cailloux et des richesses du sous-sol. Alors, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, Mesdames, Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, Monsieur le bâtonnier, Mesdames, Messieurs les membres de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, Mesdames, Messieurs les avocats, chers maîtres, Mesdames, Messieurs les invités, c'est avec un réel plaisir que j'ai accepté de présider l'ouverture du 29e congrès de la CIB ici à Dakar. Ma présence parmi vous est le signe de la place que j'accorde à la profession d'avocat, dont le rôle dans la consolidation de l'état de droit et de la protection des libertés n'est plus à démontrer. C'est aussi une profession qui s'illustre par sa contribution dans le processus d'intégration juridique et économique, comme on le voit à travers l'OADA, l'UMOA et d'autres regroupements communautaires. Au regard de la qualité des avocats participants, venus de tous les continents, des expériences et parcours respectifs des uns et des autres, je ne doute pas un instant que ce congrès sera une grande réussite et les travaux d'une richesse certaine. Pour ma part, je voudrais vous assurer de ma disponibilité à continuer à vous accompagner, Monsieur le bâtonnier, dans votre noble et exaltante mission à la tête du barreau sénégalais. À cet égard, je sais que votre projet de mettre sur pied l'école des avocats constitue un des axes forts de votre bâtonnement. Aussi voudrais-je vous marquer mon soutien personnel pour l'aboutissement et la réussite de ce projet. Nous verrons ensemble, en rapport avec M. le garde des Sceaux, quelle forme prendra cet accompagnement. L'autre chantier sur lequel vous n'avez de cesse d'œuvrer concerne l'assistance judiciaire. Cela doit être compris par tous. L'objet de l'aide juridictionnelle est de garantir l'égalité des citoyens devant la justice, de rapprocher la justice des justiciables.
Au plan géographique, nos compatriotes, où qu'ils se trouvent sur le territoire de la République, doivent pouvoir faire traiter ou juger leurs affaires sans devoir parcourir des centaines de kilomètres. À cet égard, la nouvelle carte judiciaire qui vient d'être adoptée participe de cette ambition. Rapprocher la justice des justiciables, c'est aussi faire en sorte que ceux qui sont démunis, les catégories particulièrement vulnérables de la population, puissent accéder au service d'un avocat, alors même qu'ils n'ont pas de ressources suffisantes pour ce faire. L'État se doit d'aider les citoyens qui en ont besoin à assurer leur droit à la défense. L'assistance judiciaire sert justement à cela. C'est pourquoi j'ai décidé, vous l'avez rappelé, d'augmenter l'enveloppe prévue à cet effet, dans un premier temps en la portant à la somme de 500 millions de francs CFA, et surtout demander au ministre de l'Économie et des Finances de payer les arriérés dans les meilleurs délais. Je lui avais donné d'ailleurs un délai de 3 jours. J'espère qu'il l'a respecté. Puisque depuis hier, je dois dire quand même qu'il est en train d'apurer totalement la dette intérieure. Donc cela devrait être le cas. Et je l'ai dit, M. le bâtonnier, je n'ignore point que les avocats sont des hommes libres et indépendants. Et par conséquent, on ne peut les contraindre à aller s'établir quelque part si eux-mêmes ne le souhaitent pas. En revanche, nous pouvons ensemble réfléchir sur les conditions à créer afin de les inciter à s'installer dans les villes de l'intérieur du pays. Parce que dans notre pays, et c'est le cas dans la plupart des pays du monde, il y a une discrimination notoire entre les villes et les campagnes, entre les capitales et l'intérieur. Et si au niveau macro, j'ai tenu à faire une territorialisation des politiques publiques, il est essentiel également que dans cette aide juridictionnelle, que les populations les plus démunies qui habitent dans les régions lointaines puissent avoir les mêmes droits que ceux qui vivent dans la capitale ou dans les grandes villes. Le budget de l'assistance judiciaire peut précisément être utilisé pour partie à cet effet, mais nous restons ouverts pour envisager l'augmentation significative de cette enveloppe, mais également voir dans quelle mesure ce que je viens de dire pourra être pris en charge. L'État, pour sa part, fera en sorte de créer les conditions les meilleures pour favoriser cette déconcentration des services d'avocats et un maillage du territoire national qui donne un sens concret au droit fondamental que constitue l'accès à la justice. J'ai pris bonne note du nouveau règlement communautaire relatif à l'exercice de la profession d'avocat et les implications du dit texte en ce qui concerne la réglementation de la garde à vue. Les textes internes seront réajustés pour être conformes à la norme communautaire et les instructions appropriées données au service de l'administration concernée pour rendre effective la réforme de la garde à vue et permettre aux avocats d'être présents dès les premières heures. Mesdames et Messieurs les membres de la CID, j'ai pris connaissance avec intérêt du thème de votre congrès qui porte sur quel droit au service du développement économique de l'Afrique. Vous allez, en échangeant sur cette problématique, contribuer de manière significative
à la réflexion sur un sujet qui interpelle les États africains. Et je suis très heureux, en ma qualité de président du comité d'orientation des chefs d'État du NEPAD, d'avoir les conclusions de vos travaux. Car nous avons défini un programme commun pour l'Afrique en matière de développement des infrastructures. Nous l'appelons le PIDA, Programme de développement des infrastructures de l'Afrique. Et ce programme appelle la recherche de financement par des moyens nouveaux, en particulier le partenariat public-privé, qui suppose un encadrement juridique, la définition de concessions et d'autres types d'accords qui nécessiteraient que la CIB, les différents bâtiments puissent aider leurs gouvernements respectifs, en particulier l'Afrique, à se doter des meilleurs instruments juridiques devant nous permettre de faire financer et de faire développer des infrastructures sur notre continent. Je saisis la même occasion pour dire que j'ai déjà exprimé mon souhait de voir les avocats sénégalais accompagner l'ensemble des ministères dans la signature des Memorandum of Understanding. Nous sommes en francophonie, mais parfois il faudrait emprunter quand même quelques paroles, peut-être en cette langue certainement moins riche, mais parfois plus pratique, pour paraphraser M. le bâtonnier. Donc, dans toute la définition de ces mémorandums d'entente, je pense pour parler français, et dans les contrats, il serait bien qu'entre le bâtonnat, les avocats, l'agence judiciaire de l'État et le gouvernement, qu'il y ait une plus grande proximité en vue de nous conseiller plus utilement. Je voudrais dire également que c'est bien aux États, en intelligence permanente avec les populations, de concevoir et de mettre en œuvre les politiques publiques aptes à nous mener vers l'émergence et le développement. Toutes choses encadrées par le droit, car le droit constitue un instrument fondamental et incontournable à toute forme de gouvernance. Existe-t-il d'ailleurs un domaine de la vie des hommes, des sociétés et des institutions qui échappe à l'emprise tentaculaire du droit? Je n'en trouve pas. Comme le disait un théoricien du droit, le droit est un ordre et ce qu'il ordonne, c'est la vie. À mon avis, pour que le droit soit cet outil de développement économique au sein du continent africain, il faudrait que les avocats africains et au-delà, tous les professionnels du droit se l'approprient dans ses facettes les plus pointues. En vue d'atteindre cet objectif, vous devriez certainement promouvoir la formation et le développement des compétences afin de réduire notre dépendance vis-à-vis du Nord, même si à cette heure de la mondialisation et de la libre circulation du savoir, il n'est point question de se replier sur soi, d'évoluer en vase clos ou en autarcie. Mais comme le dit bien l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est tout le sens de l'intérêt particulier que je porte au projet d'école des avocats que j'ai évoqué plus haut. C'est donc pourquoi, encore une fois, Monsieur le bâtonnier, mesdames et messieurs, avec un intérêt tout particulier, j'attends les résultats de vos travaux. Je déclare ouvert le 29e congrès de la CIB et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre amable attention. Monsieur le Président, ça ne marche pas le bouton. Monsieur le Président, nous allons vous demander une petite minute pour la remise du cadeau.
Monsieur le Président de la République, c'était notre façon à nous de vous dire merci. Vous avez beaucoup fait en venant ici, honorer la CIB, honorer le barreau du Sénégal. Vous avez fait davantage avant de venir. Et je tenais vraiment à vous remercier pour tout cela. Ne vous fiez pas à la taille. L'auteur est venu à la maison de l'avocat expliquer l'œuvre d'art. Mais je vais être très honnête avec vous, je n'ai rien retenu de ces explications. Je voulais simplement, par ce geste symbolique, vous exprimer la gratitude du barreau. Merci. Merci beaucoup. Il s'agit d'un tableau de Baye Mouké Traoré, Grand Prix du Président de la République pour les Arts, édition 1996. Le tableau s'intitule « Les raisons d'une vie » et donc il sort de l'atelier « Araignée sort » de Saint-Louis. Il y a également un paquet de livres. Je ne vous cache pas que j'ai été impliqué dans le choix des livres. Il y a 365 paroles des sages africains et un livre de Aimé Césaire. J'ai vendu la mèche. Okay. Je venais parler de la RSE, ce n'est plus exactement que de la RSE, c'est le respect des droits de l'homme de façon générale. Et ces principes sont désormais extrêmement disséminés au travers d'un certain nombre de textes, de beaucoup de textes, au niveau de l'OCDE, au niveau Global Compact, vous avez entendu parler des principes de l'Équateur pour ceux qui font des financements internationaux, et même au niveau de certaines déclarations nationales, et même au niveau des barreaux. Et je veux remercier Pierre Bignessieux, avocat de Batelier du barreau de Paris, d'avoir pris en main et d'avoir accepté que nous devions, après avoir adhéré au principe global, que nous réfléchissions sur des principes qui seront le fait que le barreau va travailler sur ces principes directeurs pour les avocats du barreau. Alors, ces principes aussi, nous devons dire qu'il y a un droit positif. Vous savez qu'il y a un droit positif protecteur de la sécurité, de l'hygiène, etc. Mais ces principes nouveaux, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, une entreprise se doit non seulement de respecter le droit positif, mais aussi se doit de respecter, les entreprises doivent respecter les principes internationaux des droits de l'homme. Ce qui implique un changement d'attitude. Ce qui implique de la part des entreprises, mais aussi des avocats, des barreaux et des avocats, un changement d'attitude de notre part. Cela veut dire que quand nous conseillons un client, nous nous devons d'avoir en tête, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt des populations et dans l'intérêt des projets, nous devons garder en tête que ce que nous faisons, nous devrons contribuer et anticiper au fait que les projets auront peu, pas d'impact négatif et s'ils en avaient, eh bien, trouver des solutions pour les atténuer. Donc c'est un droit qui demande de notre part un changement d'attitude, un changement d'approche du droit, un changement courageux, et qui est parfois courageux, parce que quand vous dites à une entreprise « Ah, mais je dois faire appeler votre attention sur le fait que dans votre projet, il y aura telle conséquence négative pour tel village, pour telle population, vous allez déplacer des gens, mais ce que vous faites, et peut-être conforme au droit national, mais n'est pas conforme aux principes internationaux qui vont respecter ces populations, eh bien, nous devons avoir le courage de dire aux entreprises, voilà quel état du droit aujourd'hui, à défaut, vous prenez le risque de sanctions, qui
qui seront des sanctions éventuellement dans les tribunaux, mais aujourd'hui, pas uniquement des sanctions dans les tribunaux, c'est des sanctions que nos clients pourraient affronter par la presse, par les ONG, par la réputation, par le manque de financement. Donc est-ce que le périmètre du droit, est-ce que notre périmètre de droit est en train d'évoluer? Oui, le droit évolue, le monde évolue, il y a d'autres juges que les juges de la réputation, les juges qui sont les banques qui vont supprimer les financements, les juges des ONG, les juges qui sont les villages eux-mêmes qui vont juger de la qualité d'un projet, qui vont juger qu'un projet a été respectueux au monde des droits de l'homme. Est-ce que nous devons, en tant qu'avocat, nous dire à nos clients, mais on ne peut pas vous conseiller sur telle et telle chose simplement parce que ça n'est pas un droit obligatoire, alors que l'entreprise pourrait, en ne les respectant pas, affronter des sanctions exceptionnellement sévères, même si elles ne sont pas nécessairement toujours devant les tribunaux. Vous le voyez bien, aujourd'hui, par ces principes, notre métier d'avocat est appelé à participer, à protéger, et dans l'intérêt des entreprises, les droits fondamentaux à l'occasion des activités économiques des entreprises. Les trois grands principes, l'État doit continuer désespérément à prendre toutes les mesures pour protéger les risques d'atteinte aux droits de l'homme, y compris lorsque ces atteintes sont le fait des entreprises. En veillant à l'accès à la justice de la part des victimes, en ayant des lois adaptées, en permettant les poursuites même par les petites gens qui n'ont pas les moyens dans leur village parfois de pouvoir se faire défendre. L'État doit être là pour veiller aussi, toujours continuer son rôle. Mais les entreprises, avant tout, devraient éviter d'arriver à ces situations-là. Elles doivent désormais avoir deux obligations. Une obligation négative, éviter de porter atteinte aux droits de l'homme dans toutes leurs activités, dans toutes leurs opérations, et au travers de toutes leurs relations commerciales, même dans la chaîne d'approvisionnement, même lorsqu'on fait travailler des petites entreprises, une grosse entreprise doit mettre en œuvre des principes et des procédures pour veiller à ce que même la petite entreprise qui sera son sous-traitant n'envoie pas, par exemple, des enfants, ne fait pas des choses qui seront contraires aux droits de l'homme pour servir éventuellement le projet plus général. Mais aussi, elle a une obligation positive, c'est de mettre en place tous les moyens, et c'est bien une obligation de moyens dont on parle, bien qu'une réforme en France est en cours, qui en ferait quelque chose d'un petit peu différent, mais nous en parlerons un autre jour. Et cette obligation de moyens, c'est de mettre en œuvre, d'être proactif, de mettre en œuvre des politiques et des procédures qui vont faire que l'entreprise n'est plus simplement là pour dire « je respecte les droits de l'homme » et de le déclarer, elle doit aujourd'hui le savoir et le démontrer. Elle doit être en mesure de le savoir et de le démontrer. À défaut, elle risque toutes les sanctions dont je viens de parler, y compris les sanctions éventuelles dans les tribunaux. Alors, ces procédures, c'était exactement l'objet des principes du directeur. Je crois que j'ai trop peu de temps pour aller dans le détail de ces procédures. Il me reste combien de temps? Bon, oui. Alors, ces procédures sont des procédures à mettre en place qui sont décrites dans les principes directeurs, d'avoir une politique, de pouvoir identifier tous les risques à l'avance, quels sont les risques quand je suis une entreprise, et c'est à nous les avocats d'identifier quels sont les droits de l'homme qui pourraient être non respectés par les activités de l'entreprise, de veiller à ce que l'entreprise les anticipe, puisse les empêcher et atténuer les effets, et veiller à ce qu'elle soit dans une situation qui soit une situation où on ne puisse pas lui reprocher de n'avoir pas respecté les droits de l'homme. Donc avant tout, une obligation de moyens de mettre en place ces procédures qui va faire qu'elle va éviter, comme je viens de le dire, les sanctions les plus graves. Alors beaucoup d'exemples ont été donnés, notamment dans les projets qui impliquent les déplacements de population, qui impliquent souvent avec les déplacements de population des interventions de force publique, nous connaissons tous ces principes, et qui veulent qu'au travers de tous ces principes, de toutes ces procédures qui maintenant existent, nous pouvons, nous avocats, veiller à ce que les entreprises que nous conseillons sont des entreprises qui se comporteront en citoyennes, en bonnes citoyennes, dans le respect du droit. Alors, des principes directeurs sont rédigés, que j'ai là. L'Association internationale des barreaux vient de terminer la rédaction d'un ouvrage que je vous invite à aller voir, qui sont les principes directeurs qui s'appliquent aux barreaux et aux avocats. Donc, ils nous permettront de mieux savoir comment nous pouvons accompagner ce mouvement, qui a déjà été très anticipé par exemple, le barreau
des États-Unis, enfin de Washington et d'Angleterre, et quand je viens de dire au barreau de Paris, la réflexion a été très engagée, et j'invite, si je peux me le permettre, je voudrais inviter la CIDE de participer à cette réflexion et de embrasser ce projet, de savoir que nous, avocats francophones de la CIDE, nous pourrions unir tous nos efforts pour participer à cette réflexion et parvenir à faire que tous les avocats que nous sommes dans le monde francophone, nous participions à ce mouvement lancé par Kofi Annan, qui sera notre invité d'ailleurs à l'Association internationale des barreaux à Vienne l'année prochaine pour le millénium, qui sera avec nous et John Roddy pour demander et continuer d'encourager les avocats à participer à la défense de ces principes. Malheureusement, le temps m'est compté. Je vais conclure par ce simple appel et j'espère, Monsieur le Président, que nous aurons l'occasion de pouvoir, entre confrères, entre barreaux et confrères, discuter de ces principes et de la meilleure façon pour le monde francophone de nous illustrer dans le monde par la défense des droits de l'homme. Merci, cher confrère. Je suis certain que vous n'aviez pas eu assez de temps pour aller dans les détails, comme vous l'avez dit, mais vous avez dit l'essentiel. Nous retenons de cela que le principe est posé, qui voudrait justement qu'une réflexion soit engagée, et il ne serait pas question que nous ne soyons pas, parce que c'est ce qui est attendu, et c'est une réflexion à la dimension donc, de la francophonie, qui permettrait à chacun d'être dans son rôle d'avocat, et dans cet espace francophone où on a besoin d'obtenir que les droits fondamentaux soient respectés. Merci, cher confrère. Alors, sans tarder, je passerai la parole au bâtonnier, j'allais dire même au secrétaire général de la CIVD, Bernard Vatier, pour qu'il nous dise les principes qui doivent conduire à une meilleure sécurité juridique. Et le premier exposé, et le très brillant qui vient d'être fait, elle porte sur la responsabilité sociale des avocats, c'est-à-dire la contribution que les avocats doivent apporter à la sécurité et à prendre en compte l'impact social et des conseils donnés dans le cadre de la mise en œuvre des règles de droit. Et nous avons eu l'idée d'ajouter à cette réflexion une seconde réflexion qui aurait dû donner lieu à un colloque que nous avions prévu d'organiser à Conakry à la demande du barreau de Guinée sur la corruption. Le barreau de Guinée a souhaité en effet qu'il puisse y avoir une véritable interpellation des autorités politiques, des autorités juridiques, des autorités économiques à l'occasion d'un colloque auquel participe la CIB sur la corruption. Il se trouve que du fait d'Ebola, le projet de colloque qui avait été envisagé n'a pas pu se tenir. Il se tiendra dès que les signes de l'épidémie ont disparu, mais il est apparu souhaitable dans la démarche de cet après-midi de rappeler que la règle de droit, elle doit être rigide, que son application doit être rigide et que la corruption, elle doit être chassée. Alors je vais être assez bref parce que le dossier, si on l'ouvre, est déjà immense. Je voudrais simplement réfléchir sur les concepts. En ce qui concerne la définition de la corruption, je pense qu'on pourrait s'en tenir à une définition qui est générale et qui est la suivante. C'est la perversion, le détournement d'un processus, c'est la transgression du droit et c'est aussi la transgression de la morale. Et sur cette base, un certain nombre de définitions ont été données par des organisations internationales. Transparency International retient que la corruption, c'est l'abus d'un pouvoir qui a été reçu en délégation et cet abus a été commis à des fins privées. Le Conseil de l'Europe définit la corruption comme l'utilisation et l'abus de pouvoir public à des fins privées. Au fond, dans ces deux définitions, on observe que la corruption, c'est l'accaparement d'une mission de service public à des fins privées. Et c'est là où on se situe la transgression. Tout abus de pouvoir mérite effectivement d'être sanctionné. Cet abus de pouvoir et cette transgression, cette déviation constituent une corruption.
Mais je voudrais aller plus loin dans nos regards pour dire que nous avons, compte tenu de nos responsabilités, nous voulons dire aussi qu'il pourrait y avoir une forme douce de corruption. La forme douce de corruption, c'est la complaisance. La complaisance, c'est-à-dire se satisfaire d'une situation que l'on veut pas vraiment garder. On se satisfait d'un état de fait dont on peut se douter qu'il pourrait être pour dire de la corruption, d'une irrégularité. Et nous, avocats, nous ne pouvons pas, compte tenu de la mission qui est la nôtre, nous ne pouvons pas admettre qu'il puisse y avoir une complaisance. C'est pourquoi, pour nous, avocats, la corruption, va jusqu'à s'étendre à la complaisance. Alors, quelles sont les causes générales de la corruption? Alors, les causes générales de la corruption sont très nombreuses, mais je voudrais noter les points suivants. Premièrement, un cadre législatif flou. Je vais sourire, quand j'étais allé en Chine, il y a une vingtaine d'années, j'avais appris que les lois n'étaient pas publiées, ce qui permettait effectivement à chaque fonctionnaire de dire sa loi et de transgresser, en quelque sorte, la délégation qu'il avait reçue à des fins personnelles. Donc, la loi doit être publiée, la loi doit être connue. Il ne peut pas y avoir de cadre législatif flou. Et puisque l'on parle aujourd'hui de OADA, quelle chance! OADA, c'est une loi internationale, et les États membres de OADA ne peuvent pas, à leur guise, gauchir le droit qui s'impose. Donc OADA est une formidable avancée pour faire en sorte que le cadre législatif soit un cadre législatif transparent, connu et prévisible. Nous avons une seconde cause. Une cause de corruption, c'est un système judiciaire inadéquat. Un système judiciaire inadéquat, et ça c'est un problème d'une grande ampleur. Pourquoi? Parce que c'est la place du juge dans la société, c'est la rémunération du juge, c'est l'organisation de la profession, l'avancement. Et par conséquent, il y a ici toute une réflexion à faire sur la place du juge dans la société afin de lui donner un niveau économique, un niveau social qui lui permette de faire échec à toutes sortes d'égarements. Et ça, ce point implique une volonté de l'État. Et la volonté de l'État, elle peut ne pas apparaître de façon spontanée, parce qu'en définitive, l'État peut s'accoutumer de juges mal payés et d'avancements qui dépendent du pouvoir exécutif. Et donc on peut se trouver en face d'un cadre judiciaire qui est inadéquat au nom des principes, mais adéquat pour ceux qui bénéficient de ce gauchissement de la norme. Alors, par conséquent, pour nous, avocats, une vraie réflexion à faire sur le rôle du juge. Et on a d'autant plus intérêt à faire cette réflexion que lorsque on a une loi qui est figée comme la loi qui résulte des actes uniformes de l'OADA, il ne faut pas que les juges de nos différents États viennent gaucher cette loi qui doit être rigide. Et un des problèmes que l'on pourra noter dans la réflexion qu'on a sur l'OADA, c'est que l'encombrement qu'il peut y avoir à la cour d'Abidjan peut favoriser des situations de fait dans les États membres et qui ne sont pas acceptables. D'abord, également, pour lutter contre la corruption, nous avons également des institutions faibles, des fonctionnaires qui se laissent aller à des excès de pouvoir et un manque de sanctions à leur encontre. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la corruption, elle se légitime. Elle se légitime elle-même. En effet, pas vu, pas pris. Et puisque le voisin n'a pas été vu, a été vu, mais n'a pas été pris, il n'y a aucune raison que ne pas profiter d'une situation qui apparaît légitime, puisqu'en définitive, par une simple complaisance, on admet que des actes de corruption puissent avoir de la légitimité.
Aujourd'hui, on s'aperçoit que la corruption est extrêmement alimentée par ce qui est en main, dans la mesure où elle freine la croissance économique, elle favorise les atteintes à la démocratie, elle remet en cause même parfois la démocratie, lorsque la corruption est utilisée à des fins mafieuses. Et par conséquent, il est indispensable que l'on puisse trouver des remèdes à la corruption. Et nous, avocats, nous devons veiller à ce que ces remèdes soient mis en œuvre. Nous avons des moyens de lutter contre la corruption. Nous avons un premier moyen, et tout à l'heure j'évoquais cette question avec un journaliste, qui disait finalement, avocats et journalistes, on a les mêmes gènes. C'est-à-dire que nous sommes pour affronter une réalité. Et le journaliste, par la transparence de l'information, la communication de l'information, l'information objective, le vrai journaliste, celui qui a une déontologie, comme il peut y avoir une déontologie d'avocat, eh bien, le journaliste va permettre de réduire la corruption, puisque finalement, il peut la dénoncer. Alors également, nous avons un autre moyen de lutte contre la corruption, qui est l'éducation. Il faut effectivement éduquer. Éduquer pour pouvoir s'étonner, pour pouvoir se dire, mais en définitive, ce qui se passe, eh bien, ça n'est pas bien, il faut trouver les moyens, et par conséquent, les moyens d'une situation de fait que l'on dénonce, lutter contre cette situation de fait, il faut que les jeunes avocats, que les avocats soient rompus, règles de déontologie, et qu'ils puissent avoir, par conséquent, une culture de règles d'éthique. Et derrière tout ça, il y a le barreau. Le barreau, avec le respect de la déontologie, la faculté donc pour le barreau de sanctionner les avocats qui se livrent et qui ont été complaisants dans des actions qui conduisent des actes de corruption. Et puis le barreau, eh bien, il est là aussi pour montrer que l'état de droit impose la lutte contre la corruption. Alors ces grandes lignes que je viens d'énoncer seront celles que l'on développera lors du prochain colloque que l'on organisera au Guinée. Et ce qui est intéressant dans la volonté du barreau de Conakry et de Guinée d'organiser cet événement, c'est que l'on voit que les avocats interpellent les pouvoirs publics, interpellent la société pour lutter contre la corruption. Et ce qui me réjouit, c'est que le barreau de Guinée a souhaité que ce soit la CIGUE et qui organise ce colloque, et que ce soit en quelque sorte la conscience internationale, cette conscience que la CIGUE représente, qui puisse veiller à ce qu'il puisse y avoir un meilleur état de droit en Guinée. Voilà, M. Batelier, les observations très succinctes que je voulais présenter. Alors, pour vous montrer le rapport, M. Président. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur l'Ami Bernard. Eh bien, on a l'habitude. On a l'habitude de dire que ce qui s'en mêle se démêle et ce qui se noue se dénoue. Nous tentons aujourd'hui de dénouer cette relation-là entre le respect des droits fondamentaux, la sécurité judiciaire et la corruption, qui est le pire ennemi. Eh bien, je crois que les exposés ont été très succincts. Vous avez dit l'essentiel, en sachant bien entendu que nous allions revenir sur toutes ces questions à la suite donc de la parole que nous allons donner aux participants et qui pourront interpeller, à la limite poser des questions auxquelles des réponses seront apportées. Eh bien, j'ouvre la liste des intervenants et ceux qui souhaitent intervenir auront un micro à leur disposition. S'ils ne sont pas à la première rangée, ils pourront intervenir, soit sous forme d'une contribution ou d'une question posée à laquelle nous tenterons d'apporter des réponses. Et par ce jeu-là, eh bien, de questions-réponses, j'imagine que les débats seront très fructueux et que nous pourrions, à la fin de nos échanges, prendre des... Merci, M. le Batelier, de laisser votre place. N'ayez pas peur, je ne viendrai pas à Paris vous faire un coup d'État. Monsieur le Président, je suis très heureux aujourd'hui de prendre la parole et de s'intéresser à des problèmes vraiment cruciaux pour nos sociétés, surtout africaines. Et je crois que le monde entier est en train de vivre des fléaux qui peuvent remettre en cause le destin de certains pays, de certaines populations.
Je lisais ce matin le journal, je m'excuse, je suis au Sénégal, mais je parle quand même du Sénégal, parce que nous n'avons rien à nous cacher. Il y a un article sur la corruption. La corruption est partout en Algérie, elle a fait des ravages. Elle fait des ravages. Je crois que c'est un point très important et le rôle des avocats est cardinal. Notre ami qui est intervenu tout à l'heure disait qu'il n'y a pas que les juges qui jugent. Je crois, et vous l'avez si bien dit, les organisations internationales, les ONG, la société civile peut être un juge implacable et essayer de barrer le chemin à ces débordements qui sont gravissimes. Je reprends une idée que je vous propose. Elle m'a été soufflée, enfin elle m'a été donnée par le bâtonnier du Cameroun, Akéré Moula, c'est ça. Mes amis du Cameroun, j'espère que je n'ai pas écorché le nom du monsieur le bâtonnier. Il est actuellement à l'Union africaine au Conseil économique et social. Il voudrait faire une organisation à l'échelon africain pour essayer de, justement, essayer de rapatrier, aider à rapatrier les biens qui ont été spoliés à des pays. Je crois que c'est un projet sur lequel nous pouvons travailler et moi, personnellement, il me tient à cœur. Et si cette idée peut, disons, recueillir l'assentiment d'une grande partie, peut-être pas de la totalité, mais d'une grande partie des barreaux africains, je crois que nous aurons fait un pas en avant et nous aurons servi nos populations, nos peuples et nos États et contribué ainsi justement à la construction de la démocratie et de l'État de droit. Je crois que les avocats sont capables de faire des choses. Et je remercie le bâtonnier Bathier ce matin, notre secrétaire général, il n'est plus perpétuel, c'était réservé à Mario Stasi. Et donc, il y a la Tunisie, par exemple, qui a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire de faire entrer la profession d'avocat, je crois que c'est la seule, et je crois que c'est le seul exemple dans le monde, hein, je ne sais pas si je me trompe, le seul exemple d'avocat qui aurait pu faire inscrire sur le marbre de la Constitution des dispositions qui protègent les avocats, parce que les avocats sont au service de leur population. Les avocats ne se servent pas, ils servent les intérêts de leurs justiciables. Je n'ai pas besoin d'insister ça, tout le monde le sait aussi bien que moi. Je reviens à la première, je ne sais pas si je suis là, oui, très bien, donc je laisse la parole à mes successeurs. Merci. Ben, je vous remercie, Walid, ce n'est pas pour mettre une casquette de boulot, mais je suis dans mon rôle de surveiller le temps. Merci pour votre contribution, votre belle contribution, et je passe tout de suite la parole à Maître. Je suis avocat au barreau du Sénégal depuis plus de 30 ans maintenant, c'est peu. Et plus je vis dans cette profession, et plus je me rends compte que la corruption est l'un des fléaux les plus néfastes pour nos pays. Et nous constatons que la plus grande corruption qui met en péril la sécurité des transactions, c'est la corruption au niveau des cours et tribunaux. C'est extrêmement grave, surtout dans nos pays sous les peuples. Je voudrais demander à M. Bathier tout à l'heure, est-ce qu'en France ou dans les pays de l'Union européenne, il y a des mécanismes qui permettent de lutter contre ce fléau? Est-ce que nous, au Sénégal, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place un mécanisme qui nous permette de voir un peu, de lutter un observatoire? Nous travaillons là-dessus, c'est à l'état embryonnaire, mais nous y travaillons. Voir un observatoire sur le dysfonctionnement de la justice. On pourrait savoir si en France, il y a... parce que c'est extrêmement grave le niveau de corruption qu'il y a. Ça s'aggrave de plus en plus parce qu'il n'y a pas de sanctions effectives, il n'y a pas de sanctions exemplaires, mais tout le monde sait que c'est le drame et c'est notre adversaire le plus grave parce que ça met en péril les droits des citoyens et des entreprises. Et pour les investisseurs, c'est extrêmement préoccupant ce problème d'insécurité juridique. Judiciaire, je peux le dire. Merci.